Voilà, la troisième descente. C'est là très difficile par contre. C'est pas de bosse, c'est rien, mais c'est un éboulis à descendre. Et l'éboulis, ben, une fois qu'on est, de toute façon, on ne peut pas s'arrêter. C'est chiant parce que c'est mouillé les cailloux aujourd'hui. Je vais régler ça un peu mieux. Là. Et cailloux mouillés, j'aime pas. Vous avez compris pourquoi j'ai relevé la caméra? Parce que je suis vraiment bien penché en avant. Essayez de voir le spectacle autour, là. C'est joli comme tout. Je crois qu'il y a même des biquettes là-haut sur le piton. Il y en a deux. Bon, on le verra, on va y passer tout à l'heure. Il va y avoir une petite remontée à pied. Ah ben, en vélo du coup. Oh merde, ils sont descendus. Et allez, c'est parti. C'est en face que ça remonte un peu à pied. Putain, ça a changé encore là. Yes. C'est plus simple. En tirant tout droit, en fonçant. Et là, je vais couper. Donc, c'était la première partie. Là, il y a 20 mètres à remonter à pied. Juste un petit panoramique. C'est là où la biquette tout à l'heure, elle était. Et Tambert là-bas. Le vallon parallèle. Moi je suis sur les crêtes pour le moment. Et on vient d'en face là. On voit bien la trace là. Entre les deux cailloux. Et vallon de la Valampe, c'est celui qui est juste derrière là. Que j'ai descendu tout à l'heure. D'ailleurs là, il y a un embranchement, on peut redescendre et le récupérer. Et Tambert. Châteauneuf-les-Martigues, juste en dessous. Marignane là-bas au fond, Vitrolles. Centre commercial Carrefour. Et moi je descends là. Hop. Là c'est comme on peut. Il faut essayer de rester le plus possible sur les dalles dures. Bien qu'aujourd'hui elles soient humides. Là il y a une petite barrière à remonter. Je n'arrive pas à la passer en vélo. Et on est donc dans la partie 2. J'arrive pas, mais j'ai jamais essayé non plus. Ça sert à rien.
Et là, il y a un endroit, ben, pour moi, c'est à pied. Je pense qu'il y en a peut-être des fous furieux de la DH qui y arrivent. Ou de l'enduro, du trial, de ce qu'ils veulent. Moi, j'arrive pas. Pas essayer non plus, mais cette fois, c'est sûr que j'essaierai pas. C'est là. Juste là. Ça qui gêne. Ça va faire 5 mètres de haut. Rien qu'à pied, c'est difficile. Et ben, on va dire qu'il y a trois parties finalement. La troisième commence là où je me suis arrêté. Donc, c'est ça la descente. C'est... Et vraiment, à pied, ça glisse aussi. Hein. La roche, elle est lisse. Et du coup, on va aller jusqu'à la route avec la caméra. Une saloperie de la roue. Putain. Il va y avoir une petite remontée, mais sur le vélo. Petite, parce qu'on a un peu d'élan. Il faut remonter à selle. Parce que sans élan, je ne suis pas sûr qu'on arrive à monter avec tous les cailloux. Ben, je suis content, j'ai pas pris la pluie. La voiture est à 3 minutes. Et voilà où ça arrive. L'autoroute, là où il y a le terrain de motocross, qui est juste là, le terrain. Et la contre-allée, là, qui est pratique pour les vélos. D'ailleurs, il y en a deux devant. Et je vais à la maison monter tout ça.